Eh bien, la prochaine séquence va nous démontrer que c'est important. Ça a l'air fou à dire, mais que des fois, on peut avoir l'air gnochon et c'est nécessaire. Et là, je ne parle pas de Serge Belair, mais de toute notre équipe. Parce que Serge Belair, lui, croyait piéger Daniel Ouimet, mais en fait, elle était notre complice pour piéger notre ami Serge Belair. Elle n'aura pas besoin de le dire. Bon, Denis? Serge. Monsieur Belair. Continue. OK. Jusqu'à ça. OK, bien, je vais récapituler pour toi parce qu'il y a des affaires des Ah, moi, là, ça fait deux ans que je n'ai pas fait. Deux ans, je n'ai pas fait ça. Comme je disais, en autant qu'elle ne te reconnaisse pas, mais il paraît que tu n'es pas reconnaissant. Non, pas de problème. Ah, non, j'ai la perruque est nette. Mais à matin, on a fait le test. Personne qui m'en connaissait. Je sais que je viens ici souvent, mais vous ne m'avez jamais servi, vous. Non, ça paraît un peu bizarre parce que j'ai des dons. J'ai des dons à 4 ans, je voyais des choses. Et puis là, ben, j'ai senti des ondes. Fais attention à ce que tu penses. Ben là. Ben, non, c'est vrai, ça a déjà arrivé. Puis moi, j'avais 4 ans, puis je savais que ma grand-mère. Fais attention, je vais vous demander de sortir le numéro de la loto, là, vous. J'ai déjà fait gagner du monde. Ben voyons. Ah oui, je vous dis. Ben, c'est pas les gros montants. Oh, oui. Mais j'ai arrêté ça, hein, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté ça parce que ça venait trop. J'ai failli faire une grosse dépression. Parce que c'était trop demandant. C'était trop demandant. Mmh. 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 Alors, deux saumons fumés. Oui. Ah, il est nerveux. Mais tous ces gars-là, c'est... Ces gars-là sont tous un peu comme ça. Sont tous un peu comme ça. J'ai mon voyage. Comme ça, ton gars... Au début, déplacement, s'il y a des déplacements pour une raison ou pour une autre, si elle, comme vous disiez tout à l'heure, si elle décide qu'elle change de place, il faut s'ajuster, nous autres. Mais il faut pas que ça y fasse. On va y aller subtilement. Puis déplacez-vous pas si on vous fait pas signe de vous déplacer. Okay. Si on vous fait pas signe, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, vous êtes au bon endroit. C'est moi qui ferai signe de déplacer. C'est lui d'ailleurs qui ferait ses signes. Il va dire asseyez-vous ici ou bien capable. Non, moi je l'assois ici. Okay. Mais si jamais il y a des problèmes d'angle de caméra, moi je vais probablement m'installer à ta vue à toi. OK? Dos à elle. Puis je dirais, moi, je vais être. Elle me verra pas. Puis je vais te faire, je vais te faire des signes. C'est déjà. En fait, venir une caisse. Bon, alors, on va commencer. Mmh. Bon. Toi, tu dis quoi? T'as qui peut nous aspirer? Mets-tu de l'eau? Tu vas prendre des aspirines avec un quille? Je vais pas avec le quille. Tu vas fliquer mes rêves. Ah, pas de bon sens. Ah, pas de bon sens. Où est l'eau? J'ai besoin d'un verre d'eau. Un verre d'eau. Je vais t'apporter ça aussitôt que tu vas. Oups. Oups. Demande-vous donc s'il y a des aspirines. Oui, excusez-moi. Des aspirines. Oui, de l'aspirine. Vous voulez des aspirines? S'il vous plaît, seriez-vous... avez-vous des aspirines? Je vais essayer d'en trouver, mais... Ouais. Merci. Gentil. Oui. Merci. Il y a un code où c'est établi. Supposons qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Moi, j'arrive, puis je dis une phrase, ce qui veut dire prétexte à aller aux toilettes. Ah, OK. Pour qu'on puisse se réajuster. Tu sais, s'il arrive quelque chose. C'est toujours la même phrase. Je sais pas, moi, ça peut être. Bon, les carottes sont cuites. Ou bien, elle voit ses dents pour respirer. Tout dans l'humour, là. Oui, bien, il faut que ça soit drôle, hein? Ça, en même temps. L'air climatisé, pas trop fort. Ça, c'est. C'est ça, avoir ses dents pour respirer, l'air climatisé. Bien. Quand je dirais ça, okay, ça veut dire que t'attends que je parle. Il y a toutes les toilettes ici. Ouais. Là, vous sortez par là. Okay. Vous êtes très vibratoire. Vous êtes très vibratoire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et on n'a pas l'air climatisé, par exemple, mais ça devrait bientôt arriver. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Ben, je vais revenir avec ça. Je suis assez fort. J'ai mon voyage. Je vais à la toilette. Ça se peut. Ça se peut pas. Qu'est-ce qu'il y a avant un problème? Non, ça va. Apprends-tu? Ah, oui, là, elle est accrochée, hein? Là. Apprends au bout? Apprends au bout.
Ça, t'as bien un peu peint, ça, là? Là, j'ai mon écouteur là, qui n'arrête pas de débarquer. Puis il y a ma moustache aussi. As-tu vu ma moustache? Oui, ça, la moustache, c'est fait. En tout cas, là, je vais la recoller, là, c'est correct. L'écouteur... Mais hey, tu peux-tu m'arranger ça, mon écouteur? Oui. Ben, je vais vérifier ça. Je là, dis, c'est quelque chose de. C'est quelque chose de spécial. Je pense que c'est la première fois que je sers et que ça m'arrive autant, que ce soit aussi fort. Ça m'arrive, là, je sais pas, vous devez avoir des. C'est la même vibration que moi. Là, je vais vous. Si vous êtes comme ça. Je vais bien vous énerver. Je s'énerve un peu, mais je te jure que quand tu fais ça, quand t'as pas fait ça. Ça fait deux ans qu'elle n'a pas fait. Là, on dit bon, ah ouais, on donne un coup. Donne un coup à matin. C'est assez spécial. Que j'en ai rencontré souvent, regarde, comme la femme qui a fait un mariage, c'est un jour. Oh, Dieu. Ouais, mais bon. Je te dis, trop de différence. C'est très, très bon. Ça va, hein? Ça y est. On n'a pas demandé de vin. Ben oui, hein? Une chance qu'on n'a pas demandé de vin. Moi, j'en reviens pas. Le micro, la plante, toujours bien important. Faut pas que ça bouge de là, ça. OK. Ça, c'est le... En tout cas, le mot à vous dire, de toute façon, vous l'avez vu, le micro. Faut pas que ça bouge de là, ça. Si ça bouge de là, on est comme... Parce qu'elle, on peut pas lui dire, mais écoute, pas de problème. Ça, c'est le seul micro qui est sur la table, ici. Oui, c'est ce qui la couvre, elle. Tu vois? C'est naturel, ça. C'est beau, ça. C'est comme une glace, ça. Et Saint-Anne. C'est comme dans tous les maudits restaurants. Quand j'avais un restaurant, ils mettent assez d'eau là-dedans. Attends une minute. Puis on me trouvait bien impoli, là. Je vais en mettre. Non, mais ça arrive. Tu l'as pas. Oh, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Ça, quand j'avais un restaurant, je mettais des. Ça s'appelle Edo. Il est très fort. Excuse-moi. J'ai une prémonition. Monsieur Belair, vous allez avoir une émission de télévision. Dans une émission de télévision qui commence par S. Je pense que c'est surprise.